fleurir des matins d'amertume en délice se tisse mon chemin que je foule pieds nus jusqu'au corps défendu jusqu'à poser un genou sous vos jupes fendues. Alors cet après-midi, c'est un concert d'artistes qui se passe au domicile d'un particulier. Et l'association, qui est l'association Chanson, organise chaque année depuis 18 ans des concerts, un festival au domicile de particuliers et aussi sur des petites structures dans des lieux où la chanson n'arriverait pas vraiment. En fait, cette association-là a pour but à la fois de promouvoir la chanson française et donc de soutenir des artistes qui n'ont pas encore forcément trouvé leur public, de jeunes artistes qui ne sont pas connus forcément sur la scène nationale. Et donc l'association organise tout ce qui est matériel, c'est-à-dire qu'il y a toujours une sonorisation, qu'il y a toujours une billetterie, puisque c'est un vrai concert. Sinon, les accueillants sont des accueillants bénévoles qui, eux, s'appuient sur leur réseau pour que la salle de concert soit pleine. Voilà. Alors nous sommes accueillants, c'est la 9e année qu'on organise un chant à part. On fait ça d'une manière très bénévole et en même temps militante, parce qu'on est très amoureux, en particulier ma femme, Danielle, de la chanson française. Nous, on aime le relationnel, on aime recevoir chez nous. Il y a des chimères pour les artistes et des rivières au bout des pistes. Chaque année, l'association reçoit des CD d'artistes qui sont postulants et les administrateurs de chansons, nous sommes 26, on se réunit et on fait des séances d'écoute pour sélectionner les artistes qui vont être présents. Chaque artiste est sélectionné pour 2 années. Par exemple, dans le concert de ce soir, il y a Gérald Gentil, c'est sa première année, alors que Simon Drouin est dans sa 2e année, donc il s'en va. Je passe ma vie dans le train, à divaguer dans des wagons lits, des wagons longs, des vallées de Wallonie, aux vallons arrondis de l'Aveyron. Un train qui passe au bord de l'eau, toutes ces maisons au bord de rien, qui du jour au lendemain se retrouvent au bord d'un train. Je passe ma vie dans le train. Ça change les zéniths, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est... Déjà, c'est dans un milieu assez rural. Voilà. Et donc ça permet vraiment d'aller mettre le concert chez les gens, ce qui est un truc super sympa à vivre. Et la proximité, tout ça, on peut vraiment faire les chansons un petit peu différemment. Au lieu de... On est peut-être des fois un peu moins dans l'énergie, et plus dans le sensible, c'est assez intéressant. Quoi. Voilà, donc ça c'était ce soir, c'était le 6e chant à part, là. Et on en fait 8 en tout, ouais. Et on est très contents. On n'est pas sur un concert de consommation, on est sur un concert de rencontre. Et rencontre entre artistes aussi, c'est important. C'est une très bonne expérience, ouais. C'est très enrichissant et le rapport au public est très franc et on est vraiment avec le public en fait, et réciproquement. Enfin, moi ce qui me touche aussi c'est le partage qu'on a après le concert aussi, où on rencontre les gens nous rencontrent, il y a un échange qui se fait et du coup on sent qu'il y a du plaisir et puis c'est des amateurs de chansons, il y a vraiment une réelle envie de passer une bonne soirée ensemble et que tout se passe bien et donc on est bien accueillis généreusement. Thank you.